Hi guys! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on retourne dans une nouvelle vidéo où j'ai reçu. Je suis trop contente! J'ai reçu mes nombreux colis Vinted LPS. Donc il y aura du coup forcément des LPS et des accessoires. Alors peut-être que la vidéo sera divisée en deux parties. Je sais pas, encore. Mais du coup, c'est parti. Alors, voilà le premier colis. Oh mon dieu. Alors, on va commencer avec la première figurine qui vient. C'est celle-là. Alors, c'est un petit chat. Je vous mettrai les numéros des LPS dans la description. Mais lui, je l'avais pas. En fait, j'avais pas ces sortes de chats-là. J'en avais un qui est comme ça, mais bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est pas exactement les mêmes. C'est même pas vraiment les mêmes en fait. Mais du coup, voilà, je voulais trop avoir cette sorte de LPS là. Et voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais pas décider encore des noms. Je sais pas encore vraiment comment je vais les appeler. J'ai quelques idées, mais voilà, c'est à voir plus tard. Je pense que dans une prochaine vidéo, et si vous avez des idées de noms en commentaire, n'hésitez pas. Prochain. Alors avec le prochain, on va rester dans le thème. On va rester dans cette sorte de LPS là. Elle était trop belle. Je pouvais pas ne pas la prendre. Bon, on remarque quand même qu'elle a déjà été utilisée. Hein. C'est logique vu que je les ai commandées sur Vinted. Bref. Pareil, je sais pas le nom encore. Je sais pas vraiment comment je vais l'appeler, mais. Voilà, en plus ils ont tous les deux une patte aimantée. Donc ça c'est cool. Et donc voilà, enfin j'en ai commandé que deux de cette sorte là pour l'instant. Je pense que je vais en commander d'autres parce que je suis vraiment trop fou. Enfin j'aime trop. Prochain. Alors on va rester dans les chats. Le 600 LPS chat Angora. Alors pareil, on remarque qu'elle a déjà été pas mal utilisée, mais bon, je n'avais pas de sorte des LPS de chat Angora. Du coup, bah, il m'en fallait bien. Hein. Mais voilà, enfin, il y a des yeux. Je pense que je ferai une vidéo où je les lave. Et comme ça, ils seront tout propres. Et ce sera nickel. En tout cas, il m'en fallait un hein, comme ça au moins du chat Angora. Je suis pas déçue parce que franchement, ils sont trop beaux. Prochain. Prochain. Alors, ouais, c'est encore un chat. Hein. Je crois que vous allez me dire, j'ai pris un peu que des chats, mais bon, c'est un peu le cas, mais voilà. Bref, donc lui, j'avais déjà une sorte de chat comme ça, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Cette fois-ci elle est bien différente et je trouve qu'elle était un peu enfin elle avait un style, elle avait son charme tu vois, elle était originale et du coup il me l'a fallu dans ma collection, enfin dans ma collection, dans ma petite collection que j'aimerais plus agrandir quoi. Mais voilà, en tout cas dites moi si vous avez des idées de prénoms dans les commentaires, dites moi si lequel est votre PS préféré jusqu'à maintenant et du coup bah on passe au prochain. Alors le prochain, alors je sais pas vraiment c'est quoi comme animal, mais je vais vous trop cette sorte de espèce là dans ma collection parce que franchement je trouve ils sont grave beaux. Enfin elle a vraiment un charme en tout cas. Bon ok, elle a du mal à tenir mais non ça va, ça va. En vrai je suis trop contente pour celle-là, elle est grave jolie. Et encore une fois, je mettrai les numéros en description, les numéros de cette pièce là, si je les trouve. Alors je remarque que j'étais pas très proche du micro, donc j'espère que vous m'avez entendu jusque là. Bon, alors le prochain, ça s'éloigne du sujet des chats, etc. Comme ceci. Alors j'avais déjà 3 LPS de cette sorte. Enfin 3 LPS, 2 qui étaient en double et un autre qui ne ressemblent pas mais qui sont sur les mêmes tons de couleur on va dire. Et les deux autres. Enfin si vous avez vu ma vidéo petite collection, vous avez dû les voir ces 3 là. Bon eux forcément non parce que je sors une vidéo quand j'ai reçu les colis, donc c'est-à-dire après la collection. Mais je vous mets le lien
de la vidéo de où je montre ma petite collection de pièces en barre d'infos. Du coup, voilà. Mais du coup, on va passer au prochain. Hein. C'est parti! Bon, alors le prochain APS, c'est pas un géant APS, mais c'en est un quand même. Hein. Non, mais il est pas trop mignon. Dites-moi si vous avez des enfin, dites-moi si vous aussi vous l'aimez bien. Mais moi, je suis carrément tombée in love. Elle est trop belle. Bon, bref. Alors, c'était tous les APS qu'il y avait dans ce colis-là en carton. Après, il y a plein d'accessoires. Ou je pense que je vais vous les montrer maintenant. Tous ces accessoires. Alors, on va commencer avec les accessoires de nourriture. Bon, bah, alors, ça va être pour la nourriture. On a ici des boîtes de thon, une part de gâteau, des sardines, du fromage et un verre de soda. Alors, j'avais aussi reçu comme accessoire un petit panier. Il est trop mignon. Donc un petit panier rouge, on peut mettre un peu tout. J'ai reçu aussi un tonneau. Bon, il est mignon, mais il s'ouvre pas, donc je sais pas trop quoi en faire. Quoique, souvent quand il y a ses pattes, c'est que c'est aimanté. On va voir ça tout de suite, hein. J'ai pris une pièce qui a une pâte aimantée. Et on va voir. Ok, j'avais bien raison. le tonneau est aimanté. C'est pas si mal, hein. Oui, j'avoue que c'est stylé, c'est stylé. Ah, ça se met comme ça. En fait, je me demande si c'est un tonneau ou si c'est une enceinte géante. En bref, c'est mignon parce qu'on peut lui donner plein d'utilités. Ensuite, j'ai eu deux petites souris trop mignonnes en jeu. Du coup, voilà. J'ai aussi reçu une sorte de gros sac. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, mais bon, on verra. Après, j'ai aussi l'autocollant, mais je vais le garder, c'est mignon. J'ai reçu ça. Bon, alors ça, je sais pas trop quoi en faire. Peut-être je pense qu'il y avait une balançoire avant. Je sais pas. Bon, après, ça peut être un menu. Non, là, il y aura un spectacle. Je sais pas. Aucune idée. On verra le cet accessoire plus tard. Bon, bah alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous retrouvez mes deux autres commandes et le reste des accessoires de cette commande-là dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de commenter si vous avez des idées de nouveaux prénoms pour les nouveaux LPS, quel a été votre LPS préféré. Et je vous fais plein plein de gros bisous. À bientôt. Mouah.